explication de la croissance économique, nous avons vu la fonction de production, nous avons vu la théorie de Solo qui lui y intègre le progrès technique, mais le progrès technique comme élément exogène. Voyons maintenant la théorie, ou les théories, parce qu'il y en a plusieurs, de la croissance endogène. Ces théories semblent très intéressantes parce qu'elles sont assez récentes et qu'en fait, elles sont très adaptées aux problèmes actuels. Voyons ces théories. Les études sur la croissance ont recommencé à partir des années 80. En effet, à partir de 1980, la crise économique qui avait commencé en 1973 s'approfondit et le problème de la croissance revient à l'ordre du jour. Comment générer de la croissance En fait, les économistes qui s'intéressent de nouveau à la croissance se heurtent à deux problèmes face à la théorie de Solo. En effet, premier problème, est-il réellement possible que le progrès technique soit totalement exogène, que ce soit finalement une sorte de résidu Ça, c'est le premier problème. Et second problème, la théorie classique depuis le début de la fonction de production euh, affirme que les rendements des facteurs de production sont décroissants. C'est-à-dire que chaque augmentation de facteur donne une augmentation plus faible de la production. Or, le résultat est qu'il ne peut pas y avoir de croissance économique sur un long terme. Sur le long terme, on va vers une croissance stationnaire, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Donc, ces deux problèmes hantent les économistes et ils veulent essayer d'expliquer autrement la croissance économique. Les nouvelles théories vont considérer que la croissance est endogène, c'est-à-dire qu'elle est, qu est auto-entretenue. C'est la croissance qui va produire de nouveau de la croissance, qui produira de la croissance, etc. Donc on reste à l'intérieur de ce phénomène de croissance et donc la croissance dans ce cas-là est endogène. Et dans cette théorie, le progrès technique est lui-même endogène. Qu'est-ce que cela signifie Ça signifie que le progrès technique, il est le résultat de l'activité économique. C'est parce que les entreprises ont besoin de gains de productivité, elles ont besoin face à la concurrence d'améliorer leur rendement et donc elles vont intégrer du progrès technique. Et ce progrès technique qui est intégré va provoquer de la croissance qui elle-même de nouveau rendra nécessaire un nouveau progrès technique. Donc le progrès technique, il est endogène, il est dû à l'activité de l'économie. En plus, ce progrès technique génère des externalités positives. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le progrès technique va produire des phénomènes favorables à l'ensemble de l'économie sans que, obligatoirement, ça soit voulu. Et ces nouvelles externalités vont améliorer encore la croissance et surtout vont faire que cette croissance, au lieu d'avoir des rendements décroissants, eh bien on se retrouve en face d'une économie qui a des rendements constants ou même des rendements croissants parce que ces externalités au niveau macroéconomique vont permettre à la croissance d'augmenter de manière importante. À partir de ce socle commun, c'est-à-dire en fait une croissance endogène, un progrès technique endogène et des externalités positives, les théoriciens de la croissance endogène vont chercher des modèles relativement différents les uns des autres pour expliquer quels sont les déterminants les plus importants de la croissance économique la croissance endogène. Trois économistes ont développé la théorie de la croissance endogène. Tout d'abord Paul Romer, Robert Lucas et Robert Barrault. Chacun d'eux a montré que l'accumulation de capital pouvait donner une croissance endogène. Pour Romer, en fait, il s'agit essentiellement de l'investissement, celui-ci incorporant de nouvelles technologies, donc du capital technologique, autrement dit capital technique plus capital technologique, produisait une accumulation de connaissances. En effet, pour pouvoir utiliser ce capital technique et ce capital technologique, il faut acquérir de nouvelles connaissances. Et ensuite, grâce à ces nouvelles connaissances, il y a un retour. On peut de nouveau incorporer du capital technologique encore plus moderne. Et ce capital technologique encore plus moderne produira de nouvelles connaissances. On est là dans un phénomène endogène et donc bien d'une croissance endogène. En plus, l'accumulation de connaissances peut se faire de manière constante, il n'y a pas d'arrêt, donc on est bien en présence d'une croissance qui peut durer sur un long terme. Le second, Lucas, insiste, lui, sur le capital humain en effet il pense que si la formation euh, s'améliore si les salariés sont constamment formés par l'entreprise et si ils arrivent déjà bien formés il va y avoir une productivité supérieure de ces salariés ces salariés Or, pourront arriver à mieux travailler, il y aura encore une nouvelle formation à chaque fois qu'il y aura de nouvelles technologies, et ainsi on élève le capital humain. Donc ce capital humain, lui aussi va provoquer des externalités positives parce que au fur et à mesure qu'on améliore la formation eh bien euh, ces salariés vont se répartir dans diverses entreprises ils vont changer d'entreprise et ils vont ainsi apporter avec eux leur nouvelle euh, amélioration de connaissances, leur nouvelle formation, et celle ci se répandra dans l'ensemble du tissu industriel et pourra donc donner une amélioration généralisée du capital humain et ainsi il y aura d'abord une croissance endogène parce que ce capital humain se sera amélioré et ensuite des externalités positives parce que cette amélioration produira de nouvelles améliorations dans l'ensemble de l'économie. Le dernier, Robert Barrault, lui insiste sur le capital Public. En effet, ils pensent que les investissements publics sont fondamentaux. Quels sont ces investissements publics bah, Essentiellement l'éducation. Cette éducation va donner un capital humain nettement supérieur. Il y a aussi les infrastructures qui vont permettre donc aux pays d'avoir des facilités pour le transport, par exemple, au niveau économique, mais aussi pour les télécommunications, c'est un exemple. Et le dernier point très important, c'est la recherche fondamentale. En effet, on ne peut attendre du privé qu'il fasse une recherche fondamentale longue et pas toujours fructueuse, alors que l'État peut le faire au nom de la collectivité. Or, L'éducation, les infrastructures, la recherche fondamentale s'auto-entretiennent aussi. Plus d'éducation va donner donc un capital humain plus élevé, plus d'infrastructures va améliorer l'économie et la recherche fondamentale va permettre d'avoir un capital technologique supérieur. Donc, là encore, des externalités positives, parce que bien évidemment, par exemple, la recherche fondamentale, eh bien, elle va, il va y avoir une invention. Cette invention, elle va pouvoir euh, se répandre dans l'économie sans qu'il y ait de coûts supplémentaires, parce que cette recherche fondamentale appartient à tout le monde. Donc, la croissance économique, grâce à cette accumulation de capital technique, technologique, humain, public, va être une croissance auto-entretenue. Et actuellement, c'est ce que l'on essaye de faire parce qu'on voit à quel point la croissance est faible et on sait combien les innovations sont importantes, combien la formation des salariés peut. Euh, améliorer la croissance et au niveau des investissements publics, on essaye d'améliorer les infrastructures, de transformer l'éducation, de mettre plus euh, de pourcentage de PIB dans la recherche fondamentale pour que la croissance euh, devienne plus importante. Les politiciens de la croissance endogène ont réhabilité le rôle de l'État. En effet, on retrouve le rôle de l'État à travers évidemment les investissements publics et c'est Barreau qui a insisté dessus, mais on retrouve aussi le rôle de l'État à travers l'éducation. Et là, on voit son rôle au niveau du capital humain. On retrouve encore une fois le rôle de l'État avec la recherche fondamentale qui va permettre de développer le capital technologique. Donc, le rôle de l'État est fondamental dans la recherche de la croissance économique. Il faut aussi reconnaître que la production est une activité socialement organisée. C'est l'idée que mettent en lumière les théoriciens des institutions. En effet, la production ne peut exister que lorsqu'il y a des règles, des normes, des valeurs, des lois qui sont édictées par des institutions. Et donc, il est important de connaître ces institutions et quel genre de règles, de lois, de normes vont encadrer les marchés. Les premières de ces règles, ce sont les règles qui réglementent le marché. En effet, il y a une réglementation, par exemple, pour les transports, pour les télécommunications. Il y a des réglementations pour les organismes financiers. Par exemple, faut-il... Que la banque soit une banque universelle comme c'est le cas actuellement, ou bien est-ce que il vaut mieux qu'il y ait une banque divisée en deux, c'est-à-dire une banque de dépôt et une banque d'affaires Ce sont les questions qui sont en ce moment en pleine discussion. Donc on voit que ces règles sont importantes parce qu'elles vont déterminer l'économie tout entière. Il y a aussi des institutions qui stabilisent les marchés. Par exemple, les banques centrales. Quel est le rôle Quels sont les objectifs de ces banques centrales Eh bien, il y a un certain nombre de lois, de règles qui le définissent. On essaye aussi, toujours pour stabiliser les marchés, de créer de nouvelles règles, de nouvelles lois à propos des déficits budgétaires. Jusqu'à présent, on avait les critères de Maastricht qui disait que le déficit budgétaire ne devait pas être supérieur à 3 du PIB, que les déficits, que les dettes ne devaient pas dépasser 60 du PIB. Maintenant, on en arrive à ce que l'on a appelé ou ce qu'on appelle la règle d'or, c'est-à-dire l'équilibre total. On va, on essaye d'aller vers un déficit de 0 en faisant des politiques économiques restrictives, des politiques économiques d'austérité. Bien, voilà d'autres institutions qui peuvent être aussi euh, importantes pour l'économie d'une manière générale. Des institutions pour légitimer les marchés. Par exemple, tout ce qui est l'État providence. En effet, le capitalisme ne peut pas être un capitalisme sauvage. Il faut qu'il soit quand même encadré. Donc euh, le système des retraites. On voit qu'en ce moment, le système des retraites est en train d'évoluer vers moins de, d'avantage, mais il y a aussi les redistributions, c'est-à-dire les allocations, doit-on en donner d'autres plus, moins. On voit que là aussi, il y a plusieurs institutions qui s'en occupent, il y a des décisions politiques qui sont prises, et tout ceci dans le but de d'encadrer euh, le système capitaliste et le système des marchés. Donc on voit l'importance de toutes ces institutions sur euh, la vie de tous les jours euh, des citoyens européens, par exemple, ou américains ou japonais. Peut-être qu'on pourrait mieux comprendre euh, le rôle des institutions si on se rend compte des résultats lorsqu'il n'y a pas d'institutions, ou peu, ou pas assez. C'est ce qui s'est passé en Russie, au moment où la Russie est passée de l'URSS, avec là des règles extrêmement strictes, à ce qui devait être du capitalisme, mais en fait sans mettre en place les institutions nécessaires pour que ce capitalisme fonctionne. Eh bien, le résultat était très simple c'est la mafia qui a pris le pouvoir en Russie. Autre exemple d'un manque d'institutions qui est très préjudiciable, eh bien, par exemple en Grèce. L'un des problèmes de la Grèce, c'est un manque justement d'institutions, parce que, un exemple, il n'y a pas de cadastre. Pas de cadastre, ça veut dire que l'État est tout à fait incapable de déterminer euh, quels sont les propriétaires des terres et des maisons, donc il ne peut évidemment pas les taxer et l'argent ne rentre pas dans les caisses de l'État. Ceci simplement parce qu'on manque de cadastre. Il y a évidemment beaucoup d'autres raisons pour les problèmes de la Grèce, mais c'en est un. État. Dernier exemple, actuellement il y a une crise de l'euro. Or, Beaucoup de politiciens et de financiers, d'économistes reconnaissent que cette crise de l'euro, elle est due à un manque d'institutions européennes. En effet, il est extrêmement difficile de gérer l'euro parce qu'il n'y a pas de politique européenne euh, au niveau bancaire, il n'y a pas de règles assez strictes au niveau des déficits, les marchés en profitent et naturellement, qu'est-ce qui se passe ben, Les marchés, ils spéculent sur le manque d'institutions européennes. Et donc la nécessité serait de créer, de mettre en place ces institutions pour protéger l'euro et pour le rendre pérenne. Voilà donc tout l'intérêt des institutions.